Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour 25$ de trésorerie, c'est nul, on gagne rien, c'est horrible. Surprison Architect. Alors on avait décidé d'être un peu véreux et sur le besoin d'ajouter des télévisions, hein, bien sûr. On avait décidé télévision. Non. Ah oui d'accord, c'est l'IP, ok. Télé. Est-ce qu'on peut avoir des télévisions? Des TV. Yes, c'est clairement télévision. Ah ouais, non, c'est juste que le et tu connais pas, d'accord, c'est cool. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, tu vois, c'est que je vais descendre sur la salle de pause. Hein. Ah, ça c'est la boisson. La grande télévision, voilà. Donc voilà, l'objectif c'était de faire croire que on avait bien acheté deux télévisions hein, pour les. Pour les prisonniers, hein. ouais, voilà, hein. On a bien acheté. Hein. T'arrives à l'administration, tu lui présentes tes deux factures de télé. Il y en a une chez tes gardiens, une dans le bureau du boss. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre la table de billard ici, ça va être réglé. Ça va être bien. Personne dira quoi que ce soit. Ils vont y voir que du feu, obligé. C'est obligé. C'est sûr et certain. Tu peux pas te faire griller là. Ouais, faisons ça. Du coup, des barbelés, là, il en manque quand même quelques-uns. On va peut-être éviter de laisser des trous dans le réseau. Non, excuse-moi. Pas du tout. Des barbelés biches, voilà. J'ai pas encore. Je suis pas encore occupé du tout de la question. De la question des chauffages, là. Des radiateurs. On a plus une thune. On dépense tout. Hein. Il reste plus rien. Bon, si, il en reste encore en vrai. On peut être des barbelés sur les haies, ce jeune. le mec il planque des barbelés dans ses haies. Il en a plus rien à foutre. S'il en est là, quoi. C'est. quand tu joues un ex-militaire comme ça avec un bandeau sur l'œil, avec un bandeau qui change de côté, hein. Attention, regardez, hop. Et côté, un coup il est à gauche, oh, hop, un coup il est à droite. Vous avez vu les petites feintes? Les vraies feintes. Ça sent le vrai chef, tu vois. Le mec il est habitué, quoi. Très bien. Alors d'après ce que j'ai compris, il allait nous falloir déjà un bureau. Ah non, un bureau, on en a déjà un. On a pris quoi? Construire un parloir. Oui, les parloirs. Le parloir, la salle commune, des vraies prisons, des vraies cellules. Ça marche. Ça marche, ça marche. Donc là, on va commencer à s'intéresser au vrai bloc de cellules. Le bloc de cellules. Avec. Qu'est-ce que je voulais mettre ici? Il y a un truc que je voulais mettre. Il y avait des choses qui nous intéressaient. Je sais plus si c'était les chiens que je voulais mettre là. C'est possible que ce soit les chiens que je voulais mettre ici. Impossible de savoir. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Niveau énergie d'ailleurs, comment ça se passe? On a réussi à faire des esquives. Des esquives de folie. On s'en sort pas mal. En batterie, on est comment? On tire un peu, hein. Ça tire un peu. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller plus loin? Chose qui est sûre, faut tirer du mur d'enceinte. Voilà, j'ai tiré du mur d'enceinte, c'était très bien. C'était vraiment complètement fou. Je sais que mes gars peuvent passer par là. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Parloir, tout ça c'est fait. Ah oui! Je voulais y mettre infirmerie et autre chose. Je voulais mettre ça ici. Parce qu'on restait quand même dans le bloc globalement administratif. Et que ça m'intéressait pas mal de les caler par là. Et je veux mettre l'armurerie ici. Donc on va la construire tout de suite. Déjà, je veux l'armurerie ici. Vous êtes ici.
Ici? Oui. Ici. Ici. Zizi. Bon, d'accord. Oui, on va faire comme ça. De mémoire, il va me falloir un bureau supplémentaire qui va être celui du médecin. Je les offre au médecin. Contre-mètre. On va avoir 5 contre-mètres. On peut avoir 5 contre-mètres. C'est quoi ces conneries? Ah ouais, on peut avoir 5 contre-mètres maintenant. Ça, c'est un gros délire. Et contre-mètre nous donne... Ah bah oui, parce qu'ils enseignent. Voilà, c'était le problème. C'est qu'ils enseignent. C'est eux les responsables du travail carcéral et compagnie. C'est ça, tout le problème est là. Voilà. Ils sont faits. Ah oui, d'ailleurs... vas-y, hein, lâche-toi, hein. Moi je veux mes chiens, je veux mes tasers, je veux mes tours de garde. Ah oui, attends, range-moi ça, je veux mes chiens, ensuite je veux mes tours de garde. Non mais non, attends, on va y arriver. Voilà, dans cet ordre-là, on est bon. Je veux mes toutous. Donne les toutous. Je veux le toutou, le bon toutou. Oui, pas de porte d'entrée, ouais, on va te trouver ça, t'inquiète, t'énerve pas. Moi j'ai envie de leur mettre des portes de cellules quoi. Moi j'ai envie de... Je crois que les snipers ils ont en plus des portes les clés je crois. 1, 2, 4, 5, 6, c'est là le milieu quoi. Ah non, on n'a pas de milieu. On a une égalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais c'est ça. On a un mid. Peut-être pas ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ici. Donc elle sera là l'entrée. Et oui, clairement, ça va être la salle des gardiens. 800%. Moi, j'ai envie de mettre des petits lampions là, c'est joli. C'est joli, on prend. Et donc si je mets 5 contre-mètres, il me faut 5 bureaux. Mais c'est trop bien. Je pense que je peux pas bourrer plus de contre-mètres par bureau. À vérifier ceci dit. À vérifier si on peut pas bourrer les contre-mètres comme des fous. La cour, j'aurais aimé aménager quand même cette cour avec des gradins. Bah ouais, complètement. Ok, tiens les gradins. Bah, par contre je sais pas s'ils sont dans le bon sens là. Ouais, si ils étaient dans le bon sens. Ok. Donc des gradins. Adjugé pendu. Je crois qu'on peut magouiller hein, les cabines téléphoniques comme un vieux sac. Alors ouais, par contre, il faut que je me mette des salles d'écoute. Ça, il va y avoir toute une magouille d'écoute. Tout un business sur les écoutes. Pas de cabine téléphonique ici. Ok, très bien. Le mec me dit que je peux mettre des bandes, des petites tas, des machins. Mettons des bandes muscu, hein, parce que les mecs ils ont besoin de pousser. Pousser en max. Pousser donc, hein, pousser bien, pousser fort. Voilà. Très joli. Des petits bancs, des petites tas, des petits machins. On va pour le petit banc entre amis. Voilà. Voilà, petit banc c'est joli. Ça va pas vite barbeler ici là. Putain, je suis heureusement que je surveille hein. Ah, sinon les mecs ils sautent par dessus bord, salut au revoir, bonne journée, on s'appelle. De fou, pauvre fou. Tac tac tac, donc là dessus on est bien. Caméra, bon, on n'a pas besoin de leur mettre une grosse cam. Du gradin again. Ici. Et là, machine de muscu. Je pense qu'il faut leur mettre un peu plus de poussettes. Faut que ça pousse de la fonte un peu. Et pour que ça pousse de la fonte, à la limite j'ai gâché, je remets un banc. Alors non, parce que vaut mieux se passer un peu. Quoi. Pour éviter de se foutre sur la tronche un peu. On va faire les choses bien. Hein.
En vrai, on fait les choses carrément bien, quoi. On leur fait des choses tellement bien que je pense qu'on va récupérer quelques petits lits là. On va récupérer cette petite table. Là aussi. Celle-là aussi. Et à la place de lits simples, on va mettre des lits superposés. Que le jeu a décidé de coller contre le mur, hein, comme un sourd. Hein. Dis donc, moi qui pensais que j'étais un connard, le jeu il se pose là. Hein. Alors je sais pas s'il faut obligatoirement condition si genre lit double ça marche. Hein. Je pense que le jeu est devenu intelligent et que ce soit lit superposé ou lit ça marche. J'espère. Ça marche. C'est valide pour le jeu. Donc on va récupérer des lits. Pour les cellules. Paf paf pif. Pour ici, on a récupéré du coup des petites tables. On en a trois, ce qui est parfait. Démonte ça. Et démonte ça. Et on va se mettre ouais, des petites tables. Hein. Alors, on met ça un peu en mode barrage. Hein. C'est pas forcément la meilleure des idées. C'est un coup à ce que les mecs se foutent sur la tronche quand même. Hein. Et on veut éviter que les gens se mettent sur la tronche. Parce qu'on est, on est un bon gardien. Sur cette map là, on est un bon gardien. Enfin, un bon gardien. On leur a taxé leur télévision, mais. Bon, on en montre bon gardien quand même. Voilà. On est fair. Je pense on est pas mal. Deux cabines téléphoniques. Deux cabines téléphoniques, c'est cool. Deux cabines téléphoniques, ça fait pas grand chose à surveiller. Normalement, on est bon. Normalement, si je la mets là, on est bonne. On voit tout. Je serais peut-être obligé d'en mettre une en bas. Mais est-ce que j'en mets une en bas ou est-ce que de toute façon je mets un. Je mets un gardien et c'est barre quoi. Ah, j'ai pas fait gaffe, je l'ai posé sur un lampion. Bon, pourquoi pas. D'ailleurs, il manque un lampion là. Yes, je l'ai posé sur un lampion. Bon, c'est pas grave. Alors normalement de mémoire le poste il peut gérer 3 caméras d'un coup. Donc on est dans le bon sens là. Une caméra. Deux caméras. Trois caméras. Et on est pas mal. 3 caméras, 2 cabines téléphoniques. On descend chez vous mes petits poulets. Ah puis il y a les systèmes de contrôle des portes. Ah oui, ça, ça va être la misère. Électrique, haute tension, relier connexion possible avec d'autres objets. Il n'y a pas de ligne spéciale haute tension. Électrique, normal, ok. Ah oui, haute tension, ça signifie qu'il faut que ce soit branché, je suppose. Ok. Moniteur. Système de contrôle des portes. Je sais pas comment vous mettre les mecs sans que vous marchiez dessus de ouf quoi. Oh, prends ta chaise. Fait mal au cœur de te voir de vous. Tiens.
Ok. Connect. C'est bon, je peux connaître. Je sais plus où est-ce que j'avais vu que c'était maximum 3 connexions par caméra. Normalement, tu les as. Mais bon, je sais pas pourquoi celle-là ne tourne pas, mais bon. Ah, y a pas de jus? Ah d'accord. Dans tous les cas. Ah oui, parce qu'on est en extérieur, donc ok, pour toi il n'y a pas de jus. Y a pas de jus dessus. Oui, c'est pas dans une pièce. Donc faut que je la mette okay, sur du câble électrique. Ouais, ça marche. Ouais, logique. Logique, logique. On va chercher un bout de fil là et embête pas le monde. Très bien. Ici qu'on en est où? Qu'il nous manque plus que le taser pour tous. Ah oui, parce qu'il faut aussi une salle d'entraînement de gardien. Oh là, donc il en faut des choses. Hein. Ok, bon, bah, il en faut des choses. Très bien, très bien. Il faut beaucoup de choses, hein. On va faire beaucoup de choses. Déjà, un sol comme ça. Ah, oui. Marche normale, c'est normal. Marche rapide. Cette pièce c'est l'armurerie. Voilà. Normalement là-haut j'ai pas de mecs qui sont déjà stressés parce que j'ai une armure. Juste le fait d'en posséder une. Normalement ça les stresse direct. Objet. Alors, il faut table ou petite table. Ah, on n'est plus obligé de se faire chier avec des grandes tables. Intéressant. Ah ouais, par contre la dégaine cargo, putain c'est vraiment science-fiction représente. Hein. Waouh. Pas joli, je sais pas Jojo. Et ça. Je suis pas séduit. Hein. C'est pas dingue. Hein. Enfin, c'est pas dingue. Si tu veux faire une prison full SF, c'est ultra stylé. Mais là, c'est pas forcément le style. Après, ouais, peut-être aller sur une. Pour la haute sécurité, ça peut être rigolo. Bah, allons-y, regardons, puisqu'on a, un peu de chouchou. Bah, c'est ça, on a des logos un peu pif random qui apparaissent à nouveau au milieu. Ah, c'est pas tout à fait pif et random. Ouais, c'est pas probant, je trouve. Hein. C'est pas probant. On a essayé, je crois, la grille quelque part. C'est chez vous, la grille comme ça. Qui est pas trop mal. Mais c'est pas grave, de toute façon ce sont des gardes, donc on va partir sur un parquet. Hein. L'administration sur le parquet. Sur parquet. Ou pas. Ou sur grille. Oh les mecs ultra métal quoi. Allez, c'est l'armurerie. Ils ont le droit d'être métal. Ils ont le droit légal au métal. Très bien. De la table grande. Voilà, hein. Merci. Ah, que votre table, votre grande table est belle. Et qu'est-ce qu'elle prend de la place? Ah, d'ailleurs, dis-moi ça, mets-moi plutôt un ratassalier de. Ah non, pas un ratassalier. Mais ça. Non, mais bien ça, casier. Ok. Faut que je pense bien mon truc. C'est compliqué de bien penser son truc.
quand on n'avait pas l'habitude de penser. Je sais pas. Je sais pas, c'est chiant. C'est chiant de pas savoir. Là c'est irrégulier au milieu. Parce que normalement si je les mets face face, ils ont la plage je crois de circuler. Hein. Je sais plus. Mais je crois que oui. Je crois qu'ils ont la place aussi. Alors Muris, c'est l'histoire parce qu'il faut qu'elle soit stylée, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu compliquées à gérer concernant cette armurerie. Zéro là. Je suis convaincu zéro et il faut encore que je rentre mon râtelier. Mon râtelier. Eh ben on est pas mal. On a un râtelier voilà au milieu des casiers. C'est un style. Ou alors je dégage une table, je mets mon râtelier dans un coin. Ah ou tout simplement je prends mon râtelier, démonte le râtelier. Démonte ça. Démonte ça. Démonte-le là. Et je suis de me dire que c'est encore. Merci. Et je mets mon râtelier au milieu. Alors c'est pas optimisé, hein. Voilà, l'optimisation ça serait déjà je mets qu'une mini table. Comme ça je gratte un max. Mais à un moment donné il faut que c'est un peu de style aussi. Et râtelier d'armes donc lui qui arrive de nouveau. Allez les poules. Putain, ça, par contre ça sonne déjà beaucoup et qu'il y a encore, il y a encore pas de prisonniers. Déjà on entend ça sonne bien. Hein. Ça sonne. Déjà des petites alertes dans tous les sens. Hein. Donc quoi, prison c'est quand même bien vite le bordel. C'est moins dégueulasse tout de suite. C'est plus agréable. Allez, il m'en reste un. Allez, pose-le. Dépêche-toi, dépêche-toi. Cours. Cours, Forest, amène-moi le dernier casier. Que je sache combien. Voilà, combien de Space Marine je peux embaucher. C'est pas là. Je crois que c'est quand je veux les recruter. Personnel. 51. 50 hommes et un chef. On est bien. On discute quoi. On a des arguments.
On vient pas sans argument, on a des choses, certains ne sont pas d'accord, mais nous on est d'accord avec nous-mêmes et on a la force, on a la puissance nécessaire pour rendre tout le monde d'accord avec nous. Nous sommes les États-Unis de l'Amérique. au moins 5 cabines téléphoniques, j'en ai construit que 2, oui je sais. Du coup, il nous faut le contrôle des portes, le moniteur, et ici donc il me manquait l'écoute téléphonique. Alors on va tous les tasser. Hein. Le mec a un max de place, il a décidé de tasser tout le monde. D'ailleurs du coup il a l'air de s'en sortir l'autre avec ses caméras, c'est bon. Oui c'est nickel. Pas de problème, pas d'embrouille. Ah! Je crois que je me suis fait sauter la pile. Un peu de jus. Tiens d'ailleurs, récupérons un peu d'argent parce que j'ai enlevé les lampadaires. On va se récupérer un peu de sous. Oui, je gratte le moindre centime que je peux gratter, tout à fait. Ouais. J'ai pas honte. Tout va bien, j'ai pas honte. Ouais, il y a un truc qu'il va falloir que je regarde aussi côté radiateur là. On peut pas voir les températures des trucs. J'ai pas un petit calque température là. Ah si d'accord, c'est vraiment genre on se pèle le cul et on est bien. Et ben voilà. Et bien on se caille le cul. D'accord, c'est dans logistique. On se pèle les miches. Très bien. Ah ça par contre tu vois c'est dommage, on peut pas. C'est pas grave. Mais on ne peut pas. Du coup c'est intéressant de noter. Petit chauffage à l'entrée, on est bien. On va se mettre du chauffage un peu partout. Ouais, complètement, on n'a pas de raison. Vous le mettre au milieu de la pièce, mais voilà, voilà, vous aurez chaud, vous aurez chaud, les autres ils auront froid, vous aurez chaud, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. L'armurerie, Space Marines en avant, voilà, j'ai répondu à la question. Tac, 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 et tac. Remettons le courant, ça tient. Très joli. D'ailleurs, les Space Marines, ils sont dans le noir. Hein. C'est des Space Marines Ninja. C'est nouveau. C'est New Age. Allez, éclairez-moi ça. Ah tout de suite on y voit mieux. Ah tout de suite t'étais déjà plus motivé pour dire Space Marines en avant. Ah et puis ah bien sûr excusez-moi, ne soyons pas vulgaires. Petit paillasson. Petit paillasson, je suis petit paillasson quand même. On n'est pas comme ça. Très bien, très bien. Qu'est-ce que. Oui raccordage, le raccordage qui se rapporte aux images. Yes, alors je sais pas si sur quel casque bon, je peux mettre. Ça marche là comme ça. On va voir, on va attendre que les mecs raccordent vite fait. Mais les mecs ils raccordent n'importe comment quoi. Et le sens logique du travail s'il vous plaît. Yes, donc c'est pas, c'est juste pas bon du tout. Cool. Bah démonte moi ce tuyau. Ah ouais merde, parce que du coup le tuyau j'y démonte. Démonte, je vais réparer moi-même. Je vais réparer après.
Ok, du coup là, en termes de température. Ah bah notre chef il a chaud. Il a les michochos. Il est bien. Ah, ils sont bien là. Bon, avec la chaudière, ils ont pas froid, évidemment. Puisqu'on est bien. Ah, à la limite, les Space Marines, ce que je pourrais faire pour eux. Je vais relocaliser la déco un peu. Regardez, on va pouvoir gagner quelques Space Marines supplémentaires en plus. Tout en faisant les choses bien. Oh le mec, tout ce qui râle. Oh, j'ai mal au dos. J'ai mal au cul, j'ai encore un travail. Arrête de te plaindre. Arrêtez de vous plaindre, c'est pas possible ça. Alors, ça va être moins. Ah, ou alors je remets ça au milieu. Ah, ouais. Moi j'aime le style. Moi j'aime le style. Hein. Je pense que quand t'es un Space Marine, faut aimer le style. Voilà. Et on va voir, on va leur coller du chauffage un peu pour voir. Le chauffage. Attends, il y a un sens au chauffage. Ah non. 4, on va voir si ça surcuit pas là-dedans. Mais 4, je pense que. Attends, déjà, ouais, on va peut-être pas lancer sur 4 tout de suite. On va peut-être d'abord essayer d'en connecter un. Connecte-en un pour voir déjà. Si je peux gratter une place ou deux, on va pas se gêner. On va pas se gêner pour gratter une place ou deux. Ah, la pile elle est déjà au bout, au secours. Faut que je rajoute encore des... Encore du matos. J'ai juste posé des télévisions pour l'instant. J'ai encore rien fait de ce qu'on m'a demandé. C'est bien. Température. Eh, c'est quand même pas chaud quoi. Après je sais pas si ça chauffe de manière régulière toute la pièce. Space Marines, ils seront au chaud. Ah, c'est en train de s'éclaircir quand même énormément. Donc ouais, après, on a de moins en moins de chaleur, je crois. Un truc comme ça. Du coup, faut aller construire des chaudières plus régulièrement. Mais ça, c'est une haie, on s'en fout. Là, on peut passer dessus. Crever de chaud là-dedans, par contre, ça marche. On va voir jusqu'où peut aller cette chaudière. Mais je crois pas aussi loin, je crois. Ça passera pas aussi loin. Ah, je me rappelle que j'avais bloqué un peu là-dessus. C'est pas grave, on peut se faire une petite salle chaudière. Par là, on a tout à fait la place. Hein. C'est absolument pas du tout problématique. Oula! À première vue, ça y est, c'est fini! Yes, c'est fini, ça y est, on se pèle le cul, formel. C'est formel. Eh bien, c'est dommage. Ok, donc faut qu'on aille construire une autre chaudière. Du coup, de ce côté-là, il n'y a pas forcément besoin d'être un bâtiment intérieur. Mais on va faire ça bien. On va faire ça bien. Ah, je crois qu'elle a besoin d'être accordée quand même à un bignou, je sais plus lequel. Je sais plus lequel. Porte du personnel, s'il vous plaît. Tellement l'habitude de changer de truc que du coup ça passe mal. Puisque ça je crois que je peux le mettre n'importe où dehors. Ah non, faut que je le mette en intérieur, d'accord. Ah ok. Ah d'accord. Pas nice. Pas nice. Ne cherchez pas de Discord, c'est chez moi.
Alors on part sur un petit 2 degrés, automne, la chute de neige. Ça commence à être sport. Et là pour le coup, ceux qui avaient chaud, ça tient toujours. Ça tient toujours. Le jeu nous dit lol, ça tient. Tant mieux. Du coup, le chauffage. Déjà, si ça arrive à monter jusqu'en, déjà j'ai tout gagné. Si ça arrive à aller tout au bout, on a win. Hein. Sinon, on est mal. Et sinon, faut glisser une chaudière entre deux. Ah oui, alors attendez, je crois que non. L'astuce, c'est que j'ai pas besoin de ça. Je vais démonter ça. Et en fait, ce que j'ai besoin. C'est juste de la chaudière raccordée à l'eau. Je crois que c'est ça. Du coup, ma salle est trop grande. Donc on va la réduire un peu. Du coup, à base de quoi. Voilà, toi, par exemple, je peux te mettre là. Du coup, je peux la rapprocher. Ça, c'est cool. Ici faire un truc comme ça avec une porte du personnel juste là. On peut démonter ça et on peut alors, dégager l'intérieur des murs. Tu peux dégager tout ça. Ouais, c'est démolir, voilà, c'est démolir tout court. On arrache même les fondations. Voilà. Très bien. Et par contre, faut me remettre ma chaudière, les mecs. Je vais demander de me remettre ma chaudière, par contre, s'il vous plaît. Ce serait bien aimable à vous de penser à le faire. Voilà. Et. Petit truc tout kawaii posé là, on est bien. Et dedans on fout le gris. Allez, on fout le gris et on se met une petite lampiote. Oh, une petite lampiote à côté. C'est sympa. On se régale. Et on s'en met une juste là au milieu, à l'intérieur, quand on rentre. Et on est très bien, et on est éclairé. Et c'est magnifique. Et c'est amazing. Et du coup, là, les autres, ils ont de l'eau chaude. Et ça change jusque là-bas. Du coup, très bien. Quoi, ça a quand même une bonne portée. Ça a quand même une bonne portée, cette histoire. Yes. Je suis un peu moins sûr pour lui, mais bon, ça devrait passer. J'espère que ça passe. Sinon, il faudrait que je fasse le tour comme ça si ça passe pas. Ça fait tirer beaucoup plus de tuyaux, quoi.
ça passe. Bah, très bien. Donc là, 6 degrés, il fait pas lourd, mais bah, on est au chaud, quoi. Il fait 20 degrés ici, 20 degrés là, 20 degrés ici. Ah, il fait 17 par là. Bon, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'y mettre un chauffage, personne ne squatte ici. Par contre, on va se refaire sauter la pile, là. On va se refaire sauter la pile si on n'interagit pas. Bon, allez, on se met au max direct, allez, on en parle plus. On est au max. On a bourré. On a bourré. Et on voulait se faire un parloir que je n'ai toujours pas fait, évidemment. Parce que ça me paraît complètement logique d'avoir complètement zappé ce que je devais faire. On part sur du mur blanc. Bon. Ah, déjà, il faut partir sur de la fondation. Brique ou béton. On va partir sur de la brique. Je pense qu'effectivement, c'est assez grand. On le sait, c'est un bâtiment que je vais scinder en deux. On va pas se mentir. 21, il faut que je monte à 3 murs si je vais avoir 10-10. Si je vais avoir 12-12, plus 3 murs, il faut que je monte à 24 et 3, 27. Sauf que j'ai trop zoomé, du coup je vois pas combien je suis. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, oh, 26 ou 27. J'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir ce que je fais, c'est chiant. Hop. Voilà. Merci. Et mieux. Et à côté, on va se glisser bah, la salle commune. Une salle commune qui fera du. Ça doit être assez grande. Ouais, 13 c'est pas mal, hein. 13 sympa. Alors c'est peut-être un peu grand pour le coup. Peut-être un peu grand parce que là il faut que je laisse du 1, 2, 1, 2. Ouais, comme ça. Pour faire une cour. En vrai c'est largement suffisant. Voilà. On va mettre les portes de la cour ici pour éviter que les gens se croisent de trop. Les portes, oui. Alors pour éviter que les gens se croisent de trop, pareil, on va essayer de claquer des portes par là. Enfin, pour l'instant, je la mets là. Donc, pour l'instant, j'aimerais bien la mettre là, hein, la porte. Hein. On va la mettre là, en attendant. Les mecs puissent faire leur construction, donc 0 degré, température, tout le monde, c'est bon, ça roulotte. 25, il fait 25 degrés. Yes, d'accord, donc là où tu le mets, par contre, ça chauffe toujours de ouf, quoi. Il fait 30 degrés sur la machine, ok, 14 degrés dans les coins, les 12 degrés dans le coin le plus froid de la pièce. Oh, ça va, hein. Ça va bien. Sachant qu'on s'en fout qu'il fasse froid dans cette pièce. Et là, par contre, on a 20 degrés, mais par contre, on a 20 degrés partout, il n'y a pas de plus froid. On est bien. 20 degrés, on est bien partout. En étant 0. On est cool. Bon, les cuisines, je vous ai mis un chauffage, mais je crois pas que c'était vraiment très utile. Entrepôt, tout ça. Ah ouais, par contre, vous les cahiers grave. Hein. Vous les petits gars, on va peut-être penser à vous aussi. On va peut-être vous coller un petit chauffage. Hein, hein les mecs. Bougez un peu pour voir. Allô. Vous êtes morts les mecs. Ah, je crois qu'on les a refroidis. Hein. Ok. Système de contrôle de porte. Alors pour contrôle de porte, il faut caler des machins comme ça.
forte. Ok. Ça en fait des portes. Fait exprès. J'ai beaucoup plus de place si je veux. Je suis un abruti, hein. Un peu, hein. Un peu. Là, j'ai fait un mini truc, mais en vrai, j'ai de la place. Bon, j'ai de la place là aussi, mais. Faisons donc le. Ici. Alors oui, par contre, il faut que je fasse le mur tout de suite, parce que sinon je vais jamais rien y voir. Il faut que ça vienne là. Il faut que je fasse tac-tac et tac-tac. Il faut que je mette une porte là et une porte là, mais je peux rien mettre tant qu'ils ont pas dégagé les machins. Ça me fatigue. Ça, c'est tellement chiant. J'aimerais bien pouvoir le préposer, quoi. Ou avoir un mode, tant pis, si tu préposes les choses, ou tu peux préposer, oui. Pour mettre... Ah oui, chauffer les gardiens là. Chauffer mes gardiens surgelés. Ah oui, mais eux, ils restent collés sur leur machine là, sinon ils bougent jamais. Il fait pas chaud pour une jungle, hein. C'est pas... C'est pas ouf. J'ai pris un petit coup de mon mec, là. Ok, je dois avoir la place pour placer mes portes. Place pour placer, c'est bien, ça fait pas une répétition du tout, ça fait plaisir. À le niveau culturel, en catastrophique. Allez, dépêchez-vous les boys. Voilà. On commence à être pas trop mal. On commence à avancer. Les parloirs machin ici on devrait être pas mal je pense. Je fais une piège genre parloir. Ah oui, parce que je voudrais coller aussi la salle de conditionnel. Avoir un parloir. Et une conditionnelle par exemple. J'ai pas du tout vérifié la taille de mes trucs. Ça c'est fait du 13. Et ça, du 11. Ouais, donc le parloir faut que tu fasses du 12. Ça, il y a un truc de trop et le parloir un de plus.
Voilà. Et votre mur concrètement. Et votre mur, il est censé être là. Du coup, entre deux, moi, il faut que j'ajoute. Bah tiens, j'ai une porte là qui traîne. Non, bah non, c'est pas une bonne, c'est pas la bonne porte. Voilà, mettons celle-ci par exemple. Voilà. Du coup, si je veux poser dans mon parloir, de quoi causer la partie visiteur, la partie prisonnier. Il y a du génie. Il y a du génie, hein. Il y a quand même beaucoup de génie là-dedans. On oublie trop souvent de le dire. Et pour les conditionnels, ouais, mais pour les conditionnels, on va être collé serré. Donc, faudrait les mettre comme ça. Il n'y a plus de quoi laisser une place au milieu. Ouais, alors vaut peut-être mieux mettre les criminels dans un coin. Est-ce qu'on est obligé de coller autant? Ouais, parce que si je le fais pas... ouais, on part sur des trucs comme ça, quoi. Sur la porte basique. Porte des visiteurs ici exclusivement, ok. Et là pareil, on va leur mettre la double porte. Est-ce qu'on leur met pas deux fois deux double portes? Là, là, et puis genre là, là, pour éviter qu'ils se tapent dessus, parce qu'on le sait, hein, des fois c'est con, ils se tapent dessus gratos. Genre c'est gratos lava. Et pour les visiteurs, tire se porte un peu partout, hein, je pense. Très bien. De pierre ici, hein. Mur de pierre là, pareil, hein, ici on va se remettre les portes de visiteurs, vu d'ailleurs, et on est très bien, et on est très très bien. Même si plutôt que de leur donner directement accès à la sortie, je les ferais bien passer par un poste de surveillance, justement. Poste de surveillance qui va nous permettre d'espionner l'autre partie de la prison qu'on n'a pas encore aménagée. Au passage. Parce que là, on a les boys, là ils transpirent, là, les gars. Enfin, ils transpirent. Non, ils se pèlent le cul à moins 3. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est le moment de voir. À moins 3, on est comment, là? Moins 3, ça tire partout, hein. Tiens, bon, ici ça tient pas trop. Il fait 12. 20. Ici ça tient toujours à 24 degrés. Et là, ah, ça tient. Deux chauffages dans une table comme ça, ça suffit, ça tient. Ok, intéressant. On a tout mis ici au max, donc on peut continuer à tirer un peu de câblage. Par contre, faudra pas qu'on aille plus loin que ça, parce que là, les câblages, ça a l'air d'être au bout de l'histoire de la vie. Qu'est-ce qui tape, cogne, machin, c'est chiant. C'est juste chiant. Et donc là, par donc attenant à ça, on disait il me faudrait une salle de sécu. Une salle de sécu. Mais je suis en train de réfléchir, est-ce que je l'intègre au mur ou pas en fait? Non, non, en fait non, pas utile. Pas utile, pas utile. Je pense qu'effectivement on va se faire ça. Alors regardez, hein, regardez bien, là vous êtes pas prêt. Là vous êtes pas prêt, petite construction en briquette de la taille de ce machin là.
8 sur 8. C'est une idée. C'est une idée, mais je vais partir sur un 9 sur 8. Voilà. L'idée n'était pas mauvaise, hein, ceci dit. Soyons honnêtes. Et attenant, attenant, on va pas s'embêter, paf, j'ai... Je mettrais bien une salle de pause à nouveau pour des gardiens. Le clonage. Ah mais du coup faut que je leur mette une cuisine aussi. Qui leur est strictement réservé. Salle du personnel. Par exemple. Avec juste derrière l'ortie. Oh là, elle est trop balèze la cuisine. Faut voir. Je vais pas la mettre. Je vais voir si je peux pas aménager directement dedans. Ce que j'ai envie d'aménager. Ce qui me permet du coup de tirer tout mon mur d'enceinte sur la longueur comme ça. Jusqu'à ces braves gens. On va se mettre ici, ça me paraît bien. Peut-être plus loin, on verra. Je vais pas les poser tout de suite, on verra si on les met. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir dégager ces murs-là. C'est sûr. Oh, il y a du bois, mais dans tous les sens. Yes, du coup. On a le personnel qui a directement vision sur la problématique, si j'avais besoin. J'ai repoussé du coup un peu le mur de méga. Oh, ça fait pas une salle équilibrée, mais ça laisse de la place. Et au passage, ça laisse de la place pour mettre le chauffage, le truc que j'avais évidemment oublié. Évidemment. Son pièce, il me faut donc directement ici une armurerie, une salle de nettoyage, il me faut une salle de sécurité. Voilà, oui, bureau, chaise, tout ça, on est au courant. On est au courant, ça, beaucoup, pour une fois dans le sens. Avec ta chaise ici, la serre par là. Fais pas chier. Voilà. Déjà mettre une écoute téléphonique puisqu'on sait qu'il y aura il y aura donc une salle commune.
Ça bosse, hein. Ça bosse dur. Ça sue même, hein. C'est impressionnant, hein. Et à 4 en vrai ils bossent tellement vite. Moi je me plains qu'ils bossent pas assez vite, mais bon à 4 c'est ouf à la vitesse à laquelle ils vont. Bon on en fois 10 aussi, peut-être un peu de ça. Peut-être un peu de ça. Pof, paf, paf, paf. Ouais, va falloir remettre des détecteurs. Peut-être même en mettre un ici. Non, ici on va juste mettre une porte aux visiteurs. Me le mettre, c'est chiant, ils ont pas enlevé leur truc là, c'est relou. Ça me gonflait. C'est en train de me gonfler. Ouais, la salle commune toujours pas faite, la table de billard toujours pas faite. Ah, ça serait bien que je les fasse quand même avant qu'on termine. Donc c'est parti. Au moins, moins définir leur taille. Donc je veux. Attendez, je vais prendre un bout de papier, je vais noter qu'est-ce qu'il me faut ici. Ici, il me faut une salle commune. Tac tac. Et il me faut une cour. Mais il faut que je prévoie une chaufferie. Une chaufferie. Plus élec. Plus d'électricité parce que là je crois que bah, l'eau de batterie est à bout. Et il faut que je place ça ici. Donc ici à la limite on... Ce qui serait bien aussi c'est qu'on arrive à se placer les petits commerces et compagnie qui vont bien avec les mettre les salles de classe, les trucs comme ça, mais je suis pas sûr qu'on aura la place. Donc au moins cours et salle commune, ça c'est ce que je veux. Après pour le reste on verra. On va essayer de prendre de la place, un petit peu d'espace, tout ça qui va bien. Voilà. Là, hop, on est bien. Paf, il va bah, il nous faut la porte du personnel. Est-ce que j'en mets vraiment deux? En vrai, il va falloir un système de contrôle des portes également. C'est ici. Moniteur. Ça va passer par là, ça. On va mettre deux moniteurs dans cette pièce. Ça se fait, hein? Mais on verra. Oulo les boys. Ensuite, pour la libération, il nous faut un joli truc. Il nous faut. Voilà. Le petit carrelage très officiel, le marbre, le bonbon marbre. Pour les petites visites, quelque part, on s'amuse, on s'éclate, on se diversifie. Allons-y, va pour une petite, un petit fantasy, hein. Petit fun. Un petit fun. Ouais, un petit fun. Je suis en train de réfléchir pour l'encadrer éventuellement différemment. Vous savez quoi? Un peu comme l'administration. Voilà, moi je propose un petit plancher au milieu, très joli. Très joli, on aime bien. On aime beaucoup. Ouais, bah ouais, on envoie du bois là par contre.
Yes, par contre, je vais peut-être vous aider à vendre du bois, parce que vraiment vouloir faire des allers-retours en bois, c'est pas ce qui me passionne le plus. Et c'est pas non plus ce qui m'intéresse le plus. On va pas se mentir. Voilà, c'est vraiment... C'est avilissant, je trouve. Alors qu'après, vous allez faire ça tout le reste de votre vie, mais... Je trouve ça avilissant. Pourquoi vendre? Non, mais je veux pas vendre, je veux mettre des lumières. Yes, merci. Et justement là donc il me faut un mur avec des barreaux. Un mur avec des barreaux. Avec des barbelés. Ah ouais, il faut que je remette du barbelé, c'est parti. Ah, faut que je le fasse à la main sinon. Ça glisse à ta côté. Ça commence à coûter très cher et à rapporter très peu d'argent ce soir. Commencer à s'intéresser sérieusement aux moyens de rentrer d'études. Hein. On verra. Non, on verra pas. On met ça comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ça c'est fait. On en met un sur ce mur là. Ici, il faut qu'on tire aussi du barbelé. Voilà. Et là, on commence à être crédible. Hop. Dalle de béton. Dalle de béton. Ici. Peut-être une petite salle de nettoyage à voir, à prévoir aussi par là. Parce que pareil, les salles de nettoyage, il va falloir commencer aussi à penser à songer à les poser. Voilà. Hop. Joli, incroyable. Du coup, est-ce qu'on se fait une extension cuisine là? Moi, je la verrais bien. Hein. Je la verrais bien ici. Ouais. Ça me pose pas de problème. On va se rajouter une petite extension cuisine juste là-dedans. Petite cuisine juste pour méga. Avec petite porte du personnel à l'appui ici. Là. Et on est pas mal. On est pas mal sur ce coin là. La salle commune, on va essayer de se la rentrer ici. Très grosse salle si je laisse beaucoup de place. Pas une très très grosse salle. À la limite on peut mettre une cour. Et en bas là si je veux la mettre par là en laissant un peu moins de place. Et c'est pareil, on est kiff kiff. Pas mis faire au fait qu'ils aient déplacé les portes. Hein. Yes, mais là comme ça la porte. Hein. Je vous occupera. Du coup, ce que j'aimerais voir moi, c'est une cour. Alors déjà, on va peut-être mettre les chemins de dalle qui vont bien. Voilà, comme ça. Voilà, chemin de dalle qui va bien. On peut parfaitement donc se rajouter une tour comme ça. Peut-être pas forcément aller plus loin que ça. On peut faire toucher l'angle ici, puis c'est très bien. On se met une porte de clôture standard là, mettons. À relocaliser plus tard. Mais... Pour l'instant, on la garde comme ça. Penser à poser des chauffages normalement. Je sais plus si j'y suis ou pas. Chauffage. Chauffage au sol, chauffage au plafond, chauffage. Chauffez-vous les petits poulets. Ne mourrez pas de froid. Je sais pas s'il y aura besoin de plus, on verra.
ici en termes de pièces? Il faut une cuisine. Une cuisine. Il faut une cuisine exclusive pour les gardiens. Cette cuisine, il lui faut un évier. Un frigo. Je claque une deuxième cuisinière, une deuxième frigo. Et du coup, j'ai pas de place pour mettre la poubelle. Ah. Et voilà. Bon, c'est placé, hein. Je dirais que c'est bien. Oh, les mecs, ils sont vénères. Oh, ils sont vénères. Oh, j'ai tourné le dos 5 minutes, ils ont tout fait. Avec une bois comme si ils continuent à bosser comme des fous. Ah, ça bosse. Hein. Par contre, le bois, ça rapporte. Hein. C'est la seule chose qui m'empêche. C'est la seule chose qui m'empêche de sombrer en négatif. Ça me fait penser que je vais mettre des barbelés. Oui, je sais pas pourquoi sombrer en négatif me fait penser à mettre des barbelés, mais figurez-vous que c'est comme ça. Pas autrement. J'aurais bien mis la porte sur le côté. Là, on a quoi en distance? Je prends un mur en réglette. Du 8 c'est tout rond. Du 12 c'est tout rond. Bon vas-y, on va se mettre une double. Hein. Déjà on va démonter celle-là. On va ça en urgence s'il te plaît. Ouais. Vas-y petit madame. Donc on a des portes. 1, 2, 3, 4. Et 4, c'est parti. Et il me faut du coup le muret qui va bien. J'arrête pas de switch hein, les murets, ça j'y arrive pas. Même fois ça. Je vais faire cette porte tout de suite. Au moins une de mes portes quoi. Arrêtez de rassembler des bûches et demandez de faire la porte rapidement. Ah c'est dense hein, la jungle hein. Dis donc ça rap... mais ça met beaucoup plus de temps mais bon voilà ça fait des sous quoi. Ça fait des sous. Ça fait qu'on a vraiment beaucoup de mal à descendre en revenu alors qu'on n'a pas de prisonnier depuis des mois quoi. Des mois on n'a pas un seul prisonnier. En vrai on pourrait déjà presque en faire rentrer hein. Sans plaisanter. C'est cool. Tiens ouais. Va te balader sans rien. Vas-y raison. Ça bosse, hein. Ça bosse dur. Juste designer la salle commune. Alors ah, il faut que j'y mette un billard aussi. Ouais. Cette histoire de salle commune avec un billard. Je la designer rapido. Ah oui, il faut que je mette un générateur électrique aussi si je veux pas que tout ça tombe. Mais ça a pas besoin d'être une grande salle. Je pourrais y mettre genre une salle de nettoyage à côté ou des commerces. Rien, c'est super génial. C'est parfait, la porte est bien placée. Tac. Bon, on fait des sous avec tout ce petit bois. Très appréciable, hein, décidément. Ça c'est fait.
Ça c'est hors jus. Ah ouais, ils ont encore rien aménagé ici, au secours. J'ai l'impression qu'ils font plein de trucs, mais en fait ils en peuvent plus. Ils s'en peuvent plus. J'ai une porte ici, pourquoi? Pas des montres. Très jolie porte. Comme celle-là aussi. Donc, pièce, salle commune. C'est parti. Alors la salle commune doit remplir plusieurs fonctions. On doit, sur demande, mettre une table de billard. On va évidemment mettre, c'est absolument aucun problème. On va peut-être pas la mettre ici par contre, on va peut-être la mettre genre plutôt par là. Genre plutôt comme ça. Parce que on va se laisser tenter par une double porte ici. Avec petit chemin de dalle de pierre juste là. Avec petite lampe à l'appui ici et là. Lumière en intérieur bien sûr, dans les quatre coins déjà. Ça on règle ça, d'ailleurs bon c'est pas fait. Je vais le faire tout de suite. Tac, tac, tac. Voilà. Très joli. Vous aurez des lampes. Trop bien. C'est trop bien. Alors on fait des trucs artistiques, attention. Alors on est directeur de prison, on fait des trucs de ouf. On se lâche, hein. On tente des choses. Très bien. Donc le billard est mis, on a exigé un billard. Qu'est-ce qu'ils ont exigé? Au moins 5 téléphones. Je peux effectivement te mettre une petite chaîne téléphonique juste là. Et normalement on est bon. Quand elle sera posée, ce sera bon. Sinon en temps normal dans la salle commune, genre la salle commune n'exige plus rien de base. Ça c'est cocasse. Bon, je sais qu'il me faut des sièges. Je vais les mettre. Monsieur là de la psychologie avancée. Voilà, je vais le mettre ici. Mettre une petite radio dans le coin. Une petite télé pour les gens qui s'emmerdent. Ils font... ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais, moi aussi. L'alcool, tout ça, ah, c'est pas bien. Ouais, l'alcool, c'est pas bien. Ah, non, mais l'alcool, c'est pas bien. C'est clair. Il s'en bat bien les couilles, comme d'hab. Nice. Nice. Hop, hop. Parfait. On retourne sur le petit paillasson de la vie. Voilà. Parce que je veux voir en fait s'il y a juste un effet de déco ou si vraiment ça s'allie moins à l'intérieur. Ah oui, mais moi je pose des sièges et tout à l'autre, mais j'ai même pas regardé le placement de mes portes. Crétin. Quel crétin. Waouh, j'aurais dû acheter une usine de. Une usine de paillasson, hein. J'aurais fait des économies. J'aurais fait des économies, hein, vu tout ce que je consomme. Oui, parce que là, en fait, là, j'ai fait de la merde, en fait. On est sur du 7, la porte, elle est là, normalement. Donc ça, tu démontes, c'est pas grave, hein. Les chaises, ça, c'est réutilisé et réutilisable ailleurs. Hein. C'est pas problématique. 1, 2, 3, ouais, on va inverser toutes les... TV. Non, alors ne démonte pas la lumière. Je veux que tu démontes. Voilà, c'est ça, c'est la radio. Yes, ok, il a décidé de me. Ok, je vais pas m'énerver. Excusez-moi, mais je vais pas m'énerver. Je ne m'énerve pas. Hein. Je suis pas du tout en train de m'étouffer parce que je suis en train de m'énerver. Tout va bien. Très bien. Ok, un téléphone s'est mis. Ah, au moins 5 téléphones. J'en ai mis combien? Ah oui, j'en ai mis que 2. Il faut que j'en mette 3. Faut que j'en mette 3. Ouais, c'est parti. Allons-y. Hein. Voilà.
par exemple. On peut remettre des chaises proprement. On peut se mettre... Ah, est-ce qu'on met... En fait, est-ce qu'on se met une porte, du coup? J'ai presque envie de dire. Est-ce qu'on se met une porte ou est-ce que... on va se pisser, on s'en fout. Ah, de toute façon, c'est déjà la radio qui est là. Bon, c'est bon. C'est nice, juste à remettre la télé. Et au plus tôt, on se fait une double porte ici. Ouais, je pense qu'on va se faire ça. Au moins une télévision là. Le mec solo sur son canapé en face. Tranquille. Deux canapes qui se font face tranquillou pour que les mecs ils taillent une bavette. Peinard. Ah, ils sont bien. Ah, ils sont bien. Hein. Ils sont bien. Ça va pas l'air comme ça, mais. Ils sont bien, les mecs. T'es caté. Ah, mais alors, du coup, presque j'ai envie de dire intéressant. Merci. Viens-moi cette merde. Ah, il y a la portée de la radio. Ah, c'est rigolo. Démonte la radio et en fait on va se mettre le radiateur dedans. Je vais me faire ça, couillez-vous. Mais grouillez-vous vite. Voilà. Du coup, on se déplace la radio. On va se la mettre ici. Le mettre comme ça par exemple. Ok. Tout qu'on va se vérifier. Distance ici, on a du 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. On dalle. Voilà. La chaufferie. Alors la chaufferie elle est loin. Alors, on peut toujours se construire une mini chaufferie ici. Si besoin est, pour accorder tout ça. Voilà, on va sûrement même ce que je vais faire. Vu que j'ai envie de dire ça mange pas de pain. C'est un peu petit ça. En fait j'ai pas du tout la place de la mettre. Alors faut que je fasse un truc comme ça. Enfin, un truc collé. Yes, faut que je fasse ça. Moi j'ai envie de dire c'est pas gênant, hein. Faisons-le. Hein. Parce que c'est pas gênant. C'est pas gênant. Alors, faut qu'on raccorde l'eau. Je dalle de béton. Ça ressemble plus à rien le placement des lumières, mais on est d'accord, hein, on est d'accord. On est au quai tiers, hein, c'est rigolo. Wow, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Il y a ça. Dalle de béton. Ok, bon bah on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal, on est tellement pas mal que j'ai envie de m'arrêter là. En disant on en a posé beaucoup. Ah si, on va peut-être mettre les lumières du parloir. Parce que je crois qu'on n'a pas éclairé le parloir. Alors, on a des fenêtres encore à mettre aussi. Bon, je sais qu'il n'y a plus personne déjà sur l'épisode. Bon, à d'autres, s'il te plaît. Peut-être pas forcer plus que ça. Hein. Voilà. C'est très bien. La salle des gardiens. Hop. Si.
Et le carrelage de la cuisine. Et on est bon. Le carrelage de la cuisine. Et on est très bien. Et on peut s'arrêter là. D'ailleurs, tiens, le jeu fait une sauvegarde automatique, ce qui me paraît parfait comme point pour vous faire des bisous et vous dire à la prochaine. Ciao.